Rappelez-vous de ce petit sticker. Vous savez quoi, on va l'enlever. On va l'enlever. Hop. Parce qu'il peut pas tomber plus bas. Donc du coup, je vais le faire aller là. Voilà, il te reste 4 jours pour tomber finalement. Bonjour à bien les amis, j'espère que vous allez tous. On se retrouve aujourd'hui pour le jour numéro 20. Est-ce que vous vous rendez compte? À partir d'aujourd'hui, il nous reste 4 jours ensemble. Ça fait déjà 20 jours 20 jours qu'on se retrouve tous les jours. En vrai, ça passe trop vite. En même temps, je suis tellement dedans que je vois pas les jours passer. C'est insane. Comme d'habitude, on va faire nos petits calendriers. Je vais regarder sur la dernière vidéo d'hier. Le top commentaire, quel calendrier on va choisir. Comme d'habitude, mes cheveux c'est la galère. Quoi qu'aujourd'hui, bon, ça plaît ou ça déplaît, aujourd'hui j'ai des belles boucles. Voilà, en fait j'ai des phases. Il y a des phases des fois mes cheveux où c'est la merde. Et il y a des phases où mes cheveux sont un peu longs, mais il y a des petites boucles. Et là je trouve que c'est assez joli. Vous allez voir que demain, c'est la merde quoi. Bienvenue dans ce Christmas vlog, jour numéro 20. Alors, aujourd'hui, le top commentaire, c'est Paulina qui me dit « Coucou Raven, j'adore tes Christmas vlogs que je regarde depuis le premier jour et je m'en lasse pas. » Waouh ! Alors ça, ça me fait très plaisir, le « je m'en lasse pas ». Pour le prochain ordre des calendriers, je te propose Lego, chocolat extrême, Porsche, Kinder, magie, Dorcel, fromage, celui-là de Théa, années 80 et celui-là de ta copine. Moi, j'aime bien comme il est. J'ai pas hâte d'être après le 24 car je serai en vacances scolaires et je n'aurai rien à faire. Ça me manquera le Christmas vlog. Waouh ! Et oui, moi aussi ça va énormément me manquer d'ailleurs. Mais écoute Paulina, c'est parti, on commence par le Lego, let's go. On commence par le Lego, let's go. Regardez là, vous allez rien voir, eh oui c'est ça le petit Earl Grey pour commencer la journée. Ah, merde, j'ai rien pour poser le truc, yes I. Si, j'ai de quoi poser le truc. Voilà, prenez un tour de magie qui pue sa mère et posez votre thé dessus. Voilà, et là on se sent bien là. Alors on va chercher le Lego, je pense que mon thé va être 600 fois trop chaud. Attention, on le porte à la bouche pour voir. Yes. Oh il est délicieux par contre. Allez Lego. Oh putain oui les amis. Alors attention, comme d'habitude, je tourne J-1. Donc moi, aujourd'hui, on est donc le 19. Hier, 16h, c'était la finale de la Coupe du Monde. Donc, je vous en parle aujourd'hui, mais pour vous, c'était il y a 2 jours, du coup. Hein. Quel match! Je sais pas si je vous l'ai déjà dit ou quoi, mais je suis pas trop foot. Vraiment, je suis pas trop foot du tout. Mais alors, c'était une sacrée finale quand même hier, on va pas se le cacher. Hein. Je voulais pas forcément regarder, pour vous dire à quel point je regarde pas. Hein. Mais vraiment, je me suis dit, ouais, c'est quand même un sacré match. Donc, je vais peut-être regarder. Et au final, avec ma copine, on a regardé la fin. Et punaise, quel retournement de situation. Pendant un moment, on avait très peur, parce que je regarde le score sur internet, on voit 2-0 pour l'Argentine. Je dis, waouh! Bah, c'est la merde. Je scroll, vraiment. 2 minutes plus tard, on était à 2-2. Le doublé de Kylian, wesh. Enfin bref, on a donné ce qu'on pouvait. Et puis voilà, c'est pas grave en vrai. Enfin, attention, pour moi c'est pas grave, il y en a pour d'autres. Yes, bon, c'est pas grave. T'inquiète. Alors, le vin, vive à vous. Qu'avons-nous? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Mais ils mettent pas tout aussi. Donc je sais pas du tout c'est quoi. Bah écoute, on va le monter, on verra peut-être mieux une fois monté, mais je pense pas. Et bien voilà, hein. Ah putain si, on dirait un feu de camp avec des chamallows ici là. En vrai non? Ça ressemble? Dites-moi. Le prochain c'est chocolat extrême. Alright, allez le petit chocolat avec le thé finalement, est-ce que ça va ensemble? Les Anglais me diront non. Je vous avoue, je suis fatigué un peu. Je suis fatigué un peu, les amis, j'ose le dire. Eh ouais, je m'en fous. Là, les derniers jours, les amis, je vais pas les voir passer. Parce que tous les soirs, typiquement ce soir, je fais un truc. Demain, je fais un truc. Jeudi, je fais un truc. Ce qui fait que, en plus de la journée que je vois pas passer, le soir, je vais pas voir passer non plus. Oh, Valrhona Noir Taïroni, c'est bien ça. Fruité et intense. Grand cru République Dominicaine. Oh, la République Dominicaine, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on en a déjà mangé un. J'avais bien aimé. Est-ce que mon souvenir est bon ou est-ce qu'il est claqué au sous-sol? Et c'était l'inverse, hein, d'ailleurs. On va voir ça. J'ai les yeux éclatés, ça va. Allez, bon appétit les amis. Oh, ils sont bons. Il est trop bon. Un de mes préférés, sans problème. Ah mais vraiment, c'est le premier chocolat qui tient ses promesses entre guillemets, genre. Il dit qu'il est fruité et intense. Je sens qu'il est puissant et intense. Il fait ses pourcentages de puissance de chocolat tout en restant très bon et moelleux et chocolaté. Et le côté fruité, il est là de ouf malade. Je ne saurais dire quel fruit c'est, hein. Mais il est très fruité. Et le goût, il est waouh. Top 1 ou top 2, hein. Ah, j'aurais dû faire... Vous savez quoi, les amis, l'année prochaine, je vais faire une liste avec... Aujourd'hui, on a fait ça. La date, je mets combien sur 10. Comme ça, après, on pourra faire un putain de classement. Là, je l'ai...
J'ai oublié quoi. C'est pas grave, ce sera pour l'année prochaine, hein. Bah franchement, il est validé. Validé chocolat extrême et le prochain... Oh, le prochain, c'est celui-là que tout le monde attend et celui-là que tout le monde adore, c'est le Porsche. Hein? Vous l'attendez pas, hein, d'accord. Allez, alors, s'il y a bien un classement de déception, que je me rappelle, c'est lui. Voilà, franchement, s'il y a un classement de nullité à faire... la magie et le Porsche seraient au top. Franchement, pour l'instant, je vais vraiment attendre le 24 pour donner mon dernier avis finalement. Il n'y aura pas de case d'après. Cela, je me dis vraiment, ok, c'est nul, mais demain, ça peut être mieux. Il y a un moment, ça va être la fin. Donc le 24, je vais dire, ok, donc c'est ça le produit final, n'achetez pas. Ou peut-être achetez, tu vois, je sais pas. Alors le vin est une belle boîte assez grande, mais comme d'habitude, c'est vide. Putain, on a le don d'acheter du vide ici. Allez, ouh. C'est une... Quoi? Mais ils ont mis deux fois la même case, c'est une blague. Oh oui, d'accord. Oh non, putain. Alors, c'est le fond pour mettre comme bah, sur le plastique là, sauf que j'en ai déjà un en fait. Est-ce que tu crois vraiment que je vais te la regarder? Attendez, je le prends quand même. Est-ce que tu crois que je vais passer mes journées à faire ça? Tac, avec mon décor ici, hop. Qui est une galère à mettre hein, d'ailleurs. Et je vais être là, wow, est-ce que tu pourras? Déjà, je vais jouer avec moi. Oh, le fond, il est chiant, j'ai envie de le changer. Tac, et je vais faire ça. Hop là. Ouais. Et là je vais rejouer avec, est-ce que tu crois que je vais faire ça? Porsche, ça va être posé dans mon décor ou sur une étagère. Est-ce que tu crois que je vais me dire, faut que je change le fond tous les 3 jours? Non, encore une fois, une case qui sert à rien. Il me reste 4 jours. Bien sûr qu'il va rien avoir, attendez le 21 ça dit quoi? Rien. Il se passe rien. C'est la honte. En fait les amis, premier degré, j'ai vraiment cette impression de m'être fait arnaquer. Est-ce que vous vous rendez compte? Alors que ça vient de Porsche. C'est vraiment un produit Porsche. Une Porsche, ça vaut si cher. Comment ils peuvent faire des trucs comme ça? Tu sais, c'est validé. Il y avait le petit sticker qui brille. Je me suis dit, wow. Alors, après le Porsche, ouh, voilà. C'est bien. C'est bien. Merci. Merci, Paulina. Parce que tu nous dis, après le Porsche, je suis énervé. Faut redescendre. Qu'est-ce qui se passe? Petite histoire Kinder. Bah voilà. Bah oui. On aime bien ces petites histoires-là. Les amis, il nous reste 4 jours. 4 jours ensemble. Ça me fume le cul, comme on dit, quoi. Personne dit ça? Ah, d'accord. Ou alors, si c'est pas un Kinder Mini, je dis ça tous les jours, hein. Waouh, Kinder Bueno. Putain, bah vous savez quoi, je le prends, j'ai envie de le prendre. On peut pas mentir sur le fait que Kinder Bueno, c'est la vie. Vous êtes plus team petit café, petit thé vert, thé noir ou autre chose? Moi j'aime bien le petit thé. Bon, normalement c'est petit café pour commencer la journée. Ah, il y avait plus mon café au lait, du coup je suis parti sur un petit thé et je kiffe hein, le petit Earl Grey. Me jugez pas. Une pause s'impose. Dedans, dehors. De jour, de nuit, le travail de l'équipe magique ne s'arrête jamais. Il y a tellement de choses à faire. Alors, puisqu'il faut quand même se reposer de temps en temps, Noisette a organisé un système de sieste à tour de rôle. Chaque membre de l'équipe magique, quand c'est son tour, rentre à la maison et se glisse dans un de ses confortables et douillettes chaussettes de Noël afin d'y faire une petite sieste. Là, c'est le tour de Blanche, Pingo et Squeaky. Suspendus et bien au chaud dans leurs chaussettes, ils devraient en profiter pour fermer les yeux et se reposer, mais ils sont bien trop excités. Ils préfèrent discuter et se raconter leur journée. Squeaky explique à Pingo comment il faut faire cuire les biscuits dorés à point. Pingo raconte comment il faut tenir sa canne à pêche pour attraper ses bonbons. Squeaky imite le Père Noël quand il fait de la gymnastique. Pingo explique les dangers quand on nage sous la glace d'un lac gelé. Les deux amis bavardent et rien ne semble pouvoir les arrêter. Blanche, elle, ne dit rien. Elle n'arrive pas à dormir, bien sûr, mais elle a l'habitude. Puis toutes ces histoires l'amusent, elle veut entendre la suite. Oui, c'est un peu comme toi. Sauf qu'il va falloir que tu attendes demain. Tu verras, on va bien s'amuser. Mais laissez-moi, moi je veux lire plus encore. Regardez dans les petites chaussettes là, ils se disent des petites dingueries là. Il se passe des dingueries en Laponie là. Allez, next, hein. Le prochain, c'est la magie. Oula, la magie. Quel tour. L'idée de base est incroyable. 24 tours de magie. Mais déception sur déception. Pour l'instant, sur 20 jours, il y a 2 tours. Et encore 2 tours que j'ai kiffé. Rarest de 20, il est là. Allez, on opte sur une corde. Non, évidemment, c'est des cartes. Ah, par contre, on dirait des cartes truquées. Et ça, j'aime bien. Vous savez quand ça fait partie de l'objet et pas du tour. Et ça, j'aime bien. Arrêtez de faire des tours super longs. Alors. Ok. J'ai... D'accord, c'est une pochette. Et la pochette contient des cartes. Dans cette pochette, il y a... 4 cartes. Quel est le tour munis-toi des 4 cartes? Les amis, ça fait 10 minutes que je suis dessus et je me rends compte que je crois que je peux pas le faire. Là, vous dites, mais tu fais pas d'effort. Mais si. Je vais vous faire le truc. Vous allez dire, ah, d'accord, ok. Bon. Vous avez donc ce petit étui avec les 4 cartes dedans. Je dois vous demander, donnez-moi un nom de roi. Voilà, un des 4 rois ici. Donc, admettons, vous me dites, ok, bah, le roi de cœur. Super. Donc, je ressors mon paquet. Qui est ici, et dans ce paquet, je vais vous dire, la seule carte qui va être retournée, ça va être le roi de cœur. Et là,
bam, c'est le roi de cœur. Et je savais tellement que c'était le roi de cœur que c'est même la seule carte qui avait un dos différent des autres. Donc là, vous me dites, oh, oui, c'est cool, mais en vrai, si, il est bien. Mais sauf que regardez, je choisis le roi de trèfle. Donc là, je dis, bah, ok, je ressors mon paquet. Et là, il n'y a pas. Pas de roi de trèfle. Et regardez, je vais vous montrer le truc, hein, du coup, c'est comme ça. Mais pas de roi de autre chose. Donc il n'y a que deux rois sur quatre. Les amis, je vais pas le faire. Non, en vrai, il est pas cool, il est pas drôle. Il est pas assez nul pour que je le fasse rigoler, les copains. Mais il est pas assez bien pour qu'en même temps il soit waouh. Enfin bon, peut-être que demain sera un meilleur jour finalement. Non. Après, la magie, c'est d'Orcel. Ouh, picou. Oh putain, faut que je vous dise un truc. Attendez, ça me fait super rire. Enfin, non, c'est pas super drôle, mais je viens d'y penser. Parce que j'étais en train de me dire, bah, va falloir faire l'interlude musical. Nanana, la guitare, ok. C'est pas hier, je mets la vidéo. En ligne, du jour, là, mais en ligne, etc. Dans la vidéo, je fais l'interlude musicale, et dans l'interlude, je joue de la guitare, et je vous fais le blind test, et je joue Alléluia. Je la joue, tac, à la guitare, et je la chante. À ma manière, c'est-à-dire, nul. Et c'est pas quand je upload la vidéo, je me la fais démonétiser, je vous jure, c'est vrai. Et donc, je me dis, mais attends, mais pourquoi? Donc, je regarde les détails. Alléluia, Jeff Buckley, droit d'auteur. Ils ont cru que ma version de guitare, Alléluia, c'était la vraie musique. YouTube fait quelque chose. Je suis pas Jeff Buckley, non mais oh. Donc voilà, pour vous dire que oui, on va faire l'interlude musical aujourd'hui. Moi, j'espère que ça va pas être démonétisé parce que c'est chiant. Voilà. Même le d'Orcel qui était si lourd commence à être si léger. Punaise, il nous faut le vin. Ok, donc c'est pas là. Le vin. Oh, le vin, c'est la plus petite casse qu'il nous reste. Oh, il est léger. En vrai, il est hyper léger. Je pense qu'aujourd'hui sera un jour un peu simplé. En même temps, avec toutes les casses qui sont incroyables, je comprends. C'est pas comme d'autres. Ah non, ok, pardon. Les amis, c'est un badge. Ah putain, mais c'est incroyable. Donc c'est un badge, les amis, comme la dernière fois, rappelez-vous-en. C'est écrit 30€ offert pour tout achat à partir de 89€. Donc là, c'est pas sur le site, c'est en boutique. Ou sur le site, évidemment, sur le site internet. Offre valable une fois en échange de ce jeton en boutique. Je trouve ça incroyable, c'est-à-dire que vous arrivez avec ce jeton en boutique et vous avez 30€ offert à partir de 89€. Mais je trouve ça incroyable. Bon, en vrai, ça me fait super rire. Celui qui le veut, dites-le moi en commentaire, je lui donnerai. C'est Validax, encore une fois, d'Orcel. Voilà, vous régalez. Tous les jours, vous régalez. Ah putain, je l'avais oublié. Oh la vache, de bon matin. Comme solo. Paulina nous dit, pour le prochain, il faut manger du fromage. Alors on mange du fromage et après on va chanter de la musique avec la bouche qui pue là. Allez. Alors, voici le numéro 20 qui est juste ici. Je n'ai plus de pain comme je viens de le dire. J'espère qu'il est pas si fort, s'il vous plaît. Ah, putain, mais les parts sont incroyables. Hein. Regardez-moi les parts, c'est un petit fromage. Qu'est-ce que c'est? C'est le petit défi à chaque fois. Déjà, il a l'air de sentir fort. Non, ils sont pas très forts. Oh, s'il a du caractère quand même. Pour moi, c'est un. J'aurais dit crottin de chèvre, mais non, parce que. Il est hyper... il est pas pâteux, parce qu'en vrai, il est hyper dur. Mais le chèvre, c'est beaucoup plus farineux, on va dire. Et bah, vous savez quoi, les amis? Je sais pas du tout. Putain, c'est le premier jour où on va faire chou rouge, finalement. Oh non! Et bah, les amis, s'il y a des amateurs de fromage en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous savez ce que c'est. Allez, j'y vais, je tape un croc comme ça. C'est comme si c'était un sandwich. Voilà, allez. Oh, oh la vache. Oh. Oh la vache. Oh il a de la culotte. Oh les amis, je vais pas pouvoir en manger plus. Il est beaucoup trop fort. Avec du pain et du beurre, j'aurais retenté. Mais j'ai pas de pain, j'ai pas de beurre. Oh ça réveille. Ah ça réveille. Alors il est pas, comme je vous disais hier, celui d'hier aussi était très très fort. Mais il est pas fort et acide comme celui d'hier. Il est fort de goût. Alors là, il te met une patate dans la gueule. Alors, après le fromage, c'est celui-là de Théa. Mais je vais le rapporter et on va faire une petite musique. Je sais pas ce que je vais faire, évidemment. Ce qui me fait voir qu'on avance dans les jours, bah au-delà des jours, c'est le nombre de trous dans le calendrier de Théa. Can I get to the end? Celui-là qui a la ref. Bah, c'est bien. Évidemment, avant de faire le petit blind test, je m'entraîne comme d'habitude à faire cette musique que quelqu'un m'avait donnée, qui est trop dure. Du coup, je me suis donné le défi de la jouer tous les jours jusqu'à temps que j'y arrive. J'ai toujours pas réussi, hein, d'ailleurs. Non, mais c'est de mieux en mieux, on va pas se mentir. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous jouer par contre, ça, en tant que blind test. Fly to you. By now you should have somehow realized what you're gonna do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. I say me man, you gotta be alive and say man. And after all
Vous n'aurez pas plus, parce que je ne peux pas faire plus, tout simplement. Tout doucement, maintenant, on fait en kéant. Petit chocolat, petit... On part sur quoi? Ah, petit puzzle, déjà, avant tout. Hop là. Petit spéculoos pour enlever le goût de fromage, ça va être parfait. Faut être fan des spéculoos. Moi, je le suis. Comme d'habitude, on prend la petite pièce de puzzle, on la met avec les autres. Et hop là. Après celui-là de Théa, il nous reste les années 80 et celui-là de ma copine. C'est parti pour les années 80. Donne-moi une bonne dinguerie. Ça fait un petit moment que t'as pas fait une dinguerie. Tu nous as fait toujours un peu plaisir, mais ça fait longtemps que tu m'as pas sorti une dinguerie. Oui, je lui parle comme s'il allait me répondre, bien sûr. Allez, on y croit, le vin. Et le vin sur la main de... de ce qu'on boit, là. Allez. C'était quoi, ça? C'est des serpentards quand on est en Nouvel An, ça, non? Quoi? Je crois que je connais pas ça, les amis. Vous connaissez, vous? Et en plus, il n'y a pas de notice. Je me prends pour un con, là. Non, c'est juste écrit ne convient pas un enfant de moins de 36 mois. Parfait. Et moins de 36 ans, ça passe? Je crois que je comprends le concept. Et je crois que je suis trop... C'est une balle rebondissante. Alors, si ça avait été juste une balle rebondissante, bien sûr, ça, c'est mon enfance. Par contre, le petit froufrou derrière, là, je sais... Moi, il me fait pas... Enfin, il me fait penser à rien du tout. Ouais, ok. Est-ce que si je le lance comme ça, là, je vais casser un truc, je le sens. Yes. Oh, waouh. Bon, écoutez, c'est validé, j'aime bien ce petit jeu-là. Et qu'est-ce qu'on va faire avant d'ouvrir celui de ma copine, les amis? Bon, on va s'écouter quelques vocaux, ça vous dit? Allez, c'est parti. Alors, Élise qui nous dit... Coucou, Raven, je tenais à te remercier pour tes petites vidéos vlog calendrier de l'Avent que tu fais tous les jours. Franchement, ça me remonte le moral de voir ça en sortant du travail. En plus, Noël, c'est ma période préférée. Donc, franchement, avoir des vidéos de toi en plus de Noël, c'est le combo parfait. Oh. Donc voilà, je tenais juste à te remercier. Je t'envoie plein d'amour et puis bah, continue ce que tu fais parce que j'adore ta chaîne. Non, mais alors là, encore une fois, les amis, c'est juste pour me saucer. Hein. C'est incroyable, Vous êtes juste trop gentils, c'est incroyable. Merci, Élise. C'est hyper gentil, c'est hyper mignon. J'adore. Anthony qui nous dit... Salut, j'espère que tu vas bien. Je te fais ce petit vocal pour te dire, suite à ta dernière vidéo où tu parles de ton pain que tu avais enroulé d'alu, il existe une autre méthode. Si ton pain il est trop dur, pour pas le gaspiller, pas le jeter à poubelle, c'est que tu le mets sous le robinet, tu le verses un peu d'eau et tu le mets au four pendant... environ 5-10 minutes, tout dépend de quand tu veux ton pain. Et du coup, ça va te le refaire cuire et il va redevenir mou. Et tu peux même l'avoir un peu grillé, un peu croustillant et tout. J'adore, mais je suis trop fan. Anthony, je connaissais cette méthode. Il est vrai que cette méthode... En plus, pour dire la vérité, elle marche super bien. Là, j'étais ici au 105, j'avais pas forcément le temps de le mouiller, le mettre au four, etc. Mais c'est une méthode que je pratique chez moi. Vraiment, je vous promets que c'est vrai. Si vraiment vous avez un pain qui est un peu comme moi, mou, ou alors même un peu rassis surtout. Rassis, c'est surtout comme ça qu'il est. Ça marche vraiment quand c'est comme ça. Vous le mouillez. Enfin, vous venez, je vais pas vous le réexpliquer. Anthony vient de l'expliquer très, très bien, d'ailleurs, mieux que moi. Loulia, peut-être. L-U-L-L-Y-A. Loulia qui nous dit... Salut. Alors, du coup, je suis juste devant ton Xmas vlog. Sache que, vraiment, je regarde tout le temps des vidéos. C'est un plaisir d'être tout le temps au rendez-vous pour regarder tes Xmas vlogs. Et aussi, vraiment, tu mérites... Les 5000 abonnés au moins pour le 24 décembre. Vraiment, continue comme ça. T'es super fort, tu mérites quand même d'être un grand youtubeur, faut se le dire. Ah, c'est super gentil. Juste me saucer comme ça, me faire plaisir avec des petits messages en mode c'est cool ce que tu... Voilà, ça me suffit, moi. Alors, Sabrina qui nous dit... Salut Raven, ça fait pas tant longtemps que je te suis, mais tu fais partie de mes youtubeurs préférés. Oh, waouh. Puis à chaque jour, je regarde tes vlogs, j'en manque aucun. Puis mon calendrier préféré, c'est vraiment celui de ta blonde. Je trouve ça tellement original puis cute. Puis j'ai vu que t'aimes beaucoup Stitch. Ah, alors ça, moi aussi, oui. Aussi, j'adore beaucoup Stitch. Il fait partie de mes Disney préférés. Puis je voulais te dire que vraiment, merci beaucoup pour tes vidéos. Ils me remontent toujours le moral. Puis c'est ça, donc continue à faire des vidéos et des concepts incroyables. Punaise, c'est incroyable. Pardon, mais je suis trop content. Je peux pas dire genre, vous êtes embêtant. Non, vous êtes que mignon, que gentil, que bienveillant, que mignon. J'ai même pas les termes. Merci d'être là. Alors les amis, on va passer au dernier, qui n'est autre que celui de ma copine. Ça marche. Vous rappelez les amis, moi j'oublie pas. Je crois que c'était il y a quelques jours, j'ai reçu dans une des petites cases du calendrier de l'avant de ma copine une petite recharge de pèse. Vous savez, les petites friandises qu'on met dans la bouche. Mais il me manque. Le truc pèse, il me manque le petit plastique pèse avec le petit personnage et tout. Est-ce que ça va être aujourd'hui? Peut-être. Alors. Déjà, c'est pas là. C'est dans la hotte et ça, j'adore. Alors, nous sommes le 20. Ah, le 20.
Oula, ça fait des bruits de clochettes. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est encore un calbar, c'est ça? Oh, ça a l'air fragile. Mais c'est trop... C'est... Pourquoi t'es... C'est un rapport à moi, les deux clochettes, là? Y'a un message que tu veux faire passer, là? Il est trop mime, regardez-moi ça, là. Putain, j'aurais eu trois boules. Trois boules de Noël. Bon, après, c'est pas fini, sur une, encore d'autres, mais... Bon, je dis trois boules de Noël, c'est pas une boule de Noël, mais bon, on comprend quand même. Eh bien, écoutez, les amis, c'est la fin de ce vlog jour numéro 20. Ça file à tout va. Putain, il nous reste que 4 jours à partir d'aujourd'hui. Enfin, à partir de demain. Oh, punaise. Les amis, écoutez, moi, je vous donne rendez-vous demain à 17h. Si cette vidéo vous a plu, évidemment, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, et évidemment, le plus important, à vous abonner. Ça me ferait ultra plaisir. Bon, ça me ferait plus qu'ultra plaisir, d'ailleurs. Voilà, donc écoutez, à demain, 17h, pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog, jusqu'au 24 décembre. C'était Raven, à demain.